catastrophe du Titanic. La banquise fait périr 1465 personnes. La TSF en sauve 715. Le nombre des victimes. Régulièrement, le clan se réunissait. Joseph ayant décidé que la paquellerie était notre maison de famille. Ferdinand et Claire vantaient toujours les mérites de la poste. Cécile revenait d'une tournée triomphale aux États-Unis. Hélène devenait de plus en plus la copie conforme de Joseph. Le couple avait deux petites filles. Ah, mais faites un petit peu attention, vraiment. Puis Hélène, expliquez-leur de ne pas m'appeler, grand-père, papy. Écoutez, enfin, ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Mais c'est pourtant pas difficile à comprendre, mais j'adore les enfants. Mais alors je veux que cette marmaille cesse de m'appeler grand-père, pour amour du ciel. Grand-père, ça sent le rhumatisme, la chaise percée, le suppositoire, voilà. Moi, ça me déprime. Je m'appelle Ram, donc vous allez m'appeler Ram. Vous avez compris? Oui, grand-père. Oui, grand-père. Non, Ram. Ram. Ou alors Grand Ram, si vous voulez, moi je sais pas. Remarquez, c'est pas mal, Grand Ram, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à Grand Ram. À Grand Ram. Ça te donne le OK. Grand Claire. Oh. Allez, Grand Ram. Nous pouvons passer à table. Regarde-moi bien. Oh, Ferdinand. Alors, comment je m'appelle? Grand Ram. Ah, bah c'est très bien, t'as bien compris, c'est parfait. Hein, t'es une vraie pasquier. Merci, grand-père. C'est un consommé aux lentilles. Je crois que nous aimons tout ça, non? Lentilles et foie gras. Ça, j'y ai droit. Oui, mon cœur, mais ne sale pas. Du foie gras dans les lentilles. Eh ben, j'espère qu'il n'y a pas de cailloux. Votre mère n'en aurait jamais laissé passer un seul. Mm-hmm. C'est délicieux. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse réaliser ce plat avec de simples lentilles. C'est vrai, de temps en temps. Vraiment. Excellent, je peux. S'il vous plaît. Je suis ruiné. Je te raconte? J'ai pas compris ce que tu as dit. Tu as très bien compris, papa. Je suis ruiné. Tout simplement. Pauvre chéri. Oh, il te reste tout de même quelques bricoles. Non, plus rien, papa. Rien. Quoi, tu n'es plus propriétaire? Alors nous sommes chez qui? Nous ne pouvons pas rester ici. Eh bien moi je ne possède absolument rien, je t'affirme Joseph qu'on vit très bien comme ça. Mais pas Lucie. Enfin t'as jamais rien eu papa, tu peux pas te rendre compte. Effectivement tout le monde n'a pas la chance d'être ruiné. Oh Ram, sois sérieux s'il te plaît. Laisse Joseph nous expliquer tout ça dans le détail. Non, c'est très compliqué, vous avez jamais compris grand chose aux affaires. Oui mais tout ça, ton appartement à Paris, ici la paquellerie. Écoutez, je vais essayer de sauver cette propriété du naufrage. Bah, je vous le promets, après tout, c'est quasiment le berceau de la famille, non? Ah bon? Qui est né ici? J'imagine que Joseph veut dire que c'est notre maison de famille. Là où la famille se réunit à présent. Avec tout ça, nous avons oublié nos pilules. Ferdinand, écoute, ne va pas te faire confiance. Hein. C'est la deuxième fois que tu les oublies cette semaine. Moi aussi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte. Et je me suis mariée. Mais quand? Où et avec qui? À New York, pendant ma tournée. Avec Richard Fauvé. Joseph, je crois que tu l'as déjà rencontré. Toi aussi, d'ailleurs, Laurent. Ah, Richard Fauvé, le chroniqueur. Mais c'est formidable, ma chérie. Ah oui, c'est formidable. Hein. Ce type a un carnet d'adresses incroyable. Hein. Il connaît tout Paris. Hein. L'industrie, la politique, tout ce qu'il pense, qu'il décide. C'est un très bon choix. Félicitations. Et pourquoi n'avons-nous pas été invités, ta mère et moi? Cécile vient de te dire que c'était en Amérique, Ram. J'étais présent à ta naissance. Tu pourrais me rendre la politesse et m'inviter à tes noces, il me semble. Enfin, c'est nouveau, c'est le 20e siècle. Il va finir par me décevoir, ce fichu siècle. Et il doit naître quand, ce bébé? Claire et moi aussi, nous en voudrions. Hein. Nous avons beau faire. Oh, nous avons beau faire. Que de vilain amour pour une si jolie chose. Mais nous ne renonçons pas. Oui, j'espère bien. Ram. Mais tu es gracieuse. Est-ce que tu as des Bon, et moi? Et moi? Mon problème n'intéresse personne. Laurent! Laurent! Je te connais, tu me fais la tête. Pas du tout. Tu aurais pu me dire à moi que tu t'étais mariée. Ça fait 4 jours que tu es rentrée. Tu te fais du souci pour Joseph? Aucun souci, non. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Joseph nous a tous demandé de l'argent. Chacun d'entre nous a accepté de se démunir, moi y compris. Papa est allé jusqu'à donner toutes ses dernières économies. Ça ne te fait pas rire, les économies de papa? L'argent qu'il a économisé pour se payer un monument funéraire. Il nous aura tout inventé.
cet argent que Joseph nous demande, c'est pour servir à quoi exactement? Je cherche pas à comprendre. Joseph a raison, nous ne connaissons rien aux affaires. Puis après tout, c'est notre frère. Oui, c'est notre frère. J'ai déjà croisé ton mari? Ah, tu vois? Il est de tous les endroits où l'on cause. Il a toujours un avis sur tout. Et tu l'aimes? J'ai fait un enfant avec lui. Laurent! Laurent! Maintenant, mon petit Laurent, on va s'occuper de toi. Tu es le dernier pasquier qui reste à marier. Nous allons te présenter plein de jolies jeunes filles. N'est-ce pas, Cécile? Ah, ce thé est brûlant. Je ne peux pas le boire. On dirait que tu le fais exprès. C'est encore des passions à voir. Bon, je rentrerai tard, hein. Oh non, Ram. Reste avec moi, s'il te plaît. Sois pas très sérieux. J'ai une varicelle et des oreillons qui m'attendent. On ne fait pas attendre des oreillons. Faut qu'on parle. Je me fais du souci pour Joseph. Mais tu as tort. Nous avons tous vidé nos poches pour combler je ne sais quel gouffre. Mais il s'en sort toujours, celui-là. Laurent aussi m'inquiète. Il me cache quelque chose. Et Cécile, je me demande si elle est vraiment heureuse. Mariée depuis si peu de temps, je la trouve triste, pas toi? Tu te souviens de nous deux au début de notre mariage? Oui. Mais pour moi, tu ne te fais pas de soucis, pour moi. Tu diras bonjour à Paula? Il y a quelque chose qui te dérange? Je ne peux pas être amoureuse de ce type. Oui? Excusez-moi, chérie. Savez-vous, vous avez rangé mes dossiers? J'ai fait déposer tout ce qui vous concerne à votre bureau. Oh, je ne vous avais pas vu. Bonjour, mon petit Laurent. Richard. Alors, que pensez-vous de notre petit nid d'amour? Hein? Chouette. C'est pas encore aménagé, hein? Revenez dans 10 jours. Tout sera installé. Bien entendu, vous serez des nôtres pour notre premier dîner, hein? Je compte déjà sur une vingtaine de personnes. Un vrai chef de famille. Et ça te plaît? Écoute, j'ai voulu un enfant, je vais en avoir un. Ça se voit déjà? Ça n'était pas le seul homme disponible sur Terre. Cécile! Cécile! D'ailleurs, n'oubliez pas de poster les cartons d'invitation. Je dîne dehors, ne couchez pas trop tard. Richard est plein de vie, il est beau. Enfin, moi, je trouve. Il fera un père parfait. Ça s'appelle un géniteur. Je te trouve bien sentimental, hein, pour un scientifique. Tu m'ennuies avec toutes tes questions. Tu veux voir ce que j'ai récupéré? Tu le reconnais? Il est encore en parfait état. Quand je pense que Justin t'aime depuis des années, tu lui as annoncé la nouvelle? Non, mais avec Justin, j'aurais eu l'impression d'épouser mon frère. Vous pourriez m'apporter... Sais-tu que Richard est quand même le premier homme à m'avoir offert des fleurs? Quoi? Et le premier homme à m'avoir considéré comme une femme. Et pas comme une immense pianiste. Je vais être mère, Laurent! Mais tu te rends compte? Je vais enfin oublier les gammes, les arpèges, les triples croches. Je vais oublier mes mains. Tu comprends? Pas tout, non. J'arrête le journalisme, Laurent. Il m'avait envoyé à Bâle pour couvrir le congrès extraordinaire de l'International Socialiste qui a dominé Jaurès. Et à présent, il refuse mon article. Soi-disant trop partisan. Mais comment pas être conquis par un tel homme, si tu l'avais entendu? Désormais, je parlerai de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, Justin? Je vais aller en usine. En reportage? À cause de Cécile? Mélange pas tout, Laurent.
Excuse-moi. Excuse-moi, Justin. Je vais travailler avec des ouvriers. Partager leur vie pour comprendre leurs problèmes, leurs désirs, leurs espoirs. Alors pouvoir les aider, tu comprends? Pas très bien. Je veux faire partie du monde qui bouge. Je veux être aux côtés de ceux qui travaillent pour construire demain. Je hais la classe dont je suis issu. Tu me dis rien? Je t'écoute, camarade. Je pense qu'il faut tout reprendre à zéro. Pas encore. Parce qu'il a raison, on ne débouche sur rien. Mais nous avons tout de même un point positif. Nous savons qu'il a une réaction avec certains solvants. Oui, mais je ne suis pas convaincu par votre dernière étude. On ne s'en sort pas. Nous avons du mal à isoler le virus. Et depuis quelques mois, j'avais un nouveau patron, Victor Chalgrin, et surtout une nouvelle collègue, Catherine. Je savais peu de choses sur son passé, sinon qu'elle était divorcée, ce qui, dans ces années-là, était rare et courageux. On m'a donné deux places pour l'opéra demain soir. Ça vous intéresse? C'est un bon moyen de faire connaissance. En échange, je vous emmène à un concert à Pléiel la semaine prochaine. Volontiers. Ma sœur est concertiste, Cécile Pasquier. Cécile Pasquier, c'est votre sœur? Je n'avais pas fait le rapprochement. Vous n'avez pas faim? Ça ne vous gêne pas de m'emmener dîner? Je comprends pas. Nous n'avons pas le même âge. Cela m'étonne que vous ayez de telles considérations de vieille dame. Là, vous exagérez. Où m'emmenez-vous? Vous verrez bien. Mais vous n'y connaissez rien, monsieur. J'arrose ces fleurs tous les jours. Tous les jours. Alors vous n'allez pas me donner les leçons de botanique, hein? Pense à moi. Enfin. Surtout pense à moi. Rome, ça suffit. Excusez-le, monsieur Jacquet, excusez-le. Ce zigoto prétend que le jardin n'est pas bien entretenu, avec les fleurs magnifiques que nous avons là. Non, eh bien, moi, je vous chasse, monsieur. Vous me chassez? Parfaitement. Vous me chassez, mais c'est moi qui vous chasse, monsieur. Allez, c'est moi qui vous chasse. Foutez-moi le corps. Allez. Je vous chasse, monsieur. Allez, cassez, voilà, je ne peux plus vous voir ici. Ram avait pris la mouche après une remarque du propriétaire à propos du jardin. Le propriétaire nous chassa, nous accordant un mois pour déménager. Je le chasse. Je me décidai à prendre un petit appartement et ne plus vivre avec mes parents. Je le chasse. Ça éclaire une pièce. Et elle en a bien besoin. Bien sûr, vous n'avez pas de vase. J'aurais dû m'en douter. Allez, mettez votre veste. Dépêchez-vous. On ne va ni au théâtre, ni à l'opéra. Je vous invite à faire un bon gueuleton pour fêter votre installation. J'ai réservé au Cru de Bourgogne. C'est à 10 minutes d'ici. Vous n'avez pas peur de marcher? Je vous attends. La marine et le baromètre résistaient vaillamment à tous les déplacements de la famille Pasquier. Papa, cette fois-ci, avait installé son cabinet au rez-de-chaussée, ce qui lui laissait beaucoup plus de liberté. Une seule chose me chagrinait, c'était de laisser maman seule avec papa. Entre, Laurent. Alors, comment trouves-tu notre nouvelle installation? Votre mari nous trompe toutes les deux. Pardon? Vous avez bien entendu, Rama une maîtresse. Nous sommes donc toutes les deux dans la même position, des femmes rejetées, cocues, quoi! Vous étiez moins vulgaire, Paula. Parce que vous n'étiez chez nous qu'une petite nièce à qui j'avais offert l'hospitalité. Et la nouvelle ne vous fait pas plus d'effet que cela? Ce que j'ai eu, Paula, vous ne l'aurez jamais. Le trésor qu'aucune femme ne me prendra. Ce sont les enfants que Ram m'a donnés. Des enfants tellement magnifiques. J'en ai eu quatre, et vous aucun. Vous voyez, Paula, vous avez été plus lésée que moi. Alors ne comptez pas sur moi pour signer votre pétition contre cette intruse dans votre ménage. Moi, je ne me plains de rien. Je dirais même que ce que vous m'apprenez me réjouit plutôt. Mon Ram restera chaque jour aussi surprenant.
croyais pas que je ferais ouvrier. Alors ? Bah vérifie, j'ai les ongles noirs. Et j'en suis fier, Laurent. Le patronat, faut le voir à l'œuvre. Viens passer un moment avec nous, tu vas voir, mes camarades, ils s'égarent pas. Oh, c'est demain, t'as tourné, t'oublies pas, hein ? T'es un bon youpin, toi, t'es pas un radin. Et tu supportes ça ? Quelle importance ? Ils sont tous des braves types. Ils savent même pas ce que c'est qu'un juif. Ils répètent ce qu'ils entendent, c'est tout. La société leur manque, faut leur apprendre à voir la vérité. T'es d'accord ? C'est Marthe qui est là-bas ? Tu pourrais nous présenter ? Elle a peur de te rencontrer. Elle est intimidée. C'est un petit oiseau farouche ? Hé, tu t'as bien, Aristo ? Si j'ai battu la grève que tu veux nous faire faire, tu la feras tout seul. Moi, c'est ça que j'ai à nourrir. Et toi, qu'est-ce que t'as ? C'est ça, tu vas pas. T'es bon discours et ta grande gueule ! Ça fait 3 semaines que tu travailles à l'usine. Honnêtement, ça t'a rapporté quoi ? Rapporté rien. Appris beaucoup. Et puis maintenant, je sais de quoi je parle. La condition ouvrière, je la vis. Mais elle a changé, la condition ouvrière, depuis que t'es là ? Tu rends service à qui, Justin ? C'est pas la politique qui va changer la vie des gens. C'est la science, le progrès. Les fameux progrès scientifiques changeront jamais les pauvres en riches. Moi, je suis à côté des plus démunis et je partage leur vie. Et c'est comme ça qu'on prépare une grève. Même une révolution. Regarde. Ils travaillent des petits lopins de terre qui a généreusement octroyé le patron au plus méritant, sinon ils connaîtraient jamais le goût des fraises. Que des patates. Que des patates, Laurent. Faut que ça change, tout ça. Et c'est possible, je reste la montrer à Carmen. Parle-moi plutôt de Marthe. Elle a quel âge ? 16 ans, elle travaille depuis l'âge de 12 ans, je lui apprends à lire. Tu me la présentes quand ? T'auras rien à lui dire, et elle non plus. Et vous deux, vous avez quelque chose à vous dire ? Tu comprends rien, hein ? Marthe, c'est... elle représente une sorte d'espoir. Puis elle est gentille, tu sais. Elle-même, elle le dit. Et toi ? Tu le sais, Laurent. Toute ma vie, je n'aimerais que Cécile. Je n'aimerais que Cécile. Réfléchis, Justin. Marthe n'a même pas 18 ans. Catherine, elle en a au moins 40. C'est une femme comme elle que j'attendais. C'est ta vie. Justin, attends. Je savais te trouver là. Je peux m'asseoir ? Si tu viens pour les affaires de Joseph, autant te prévenir tout de suite, je ne peux pas faire plus. Mais voyons, Laurent, Joseph n'est pas ruiné, comme il dit. Tu sais, un petit revers de fortune, passager, une mauvaise humeur de la bourse, et Joseph se croit à l'agonie. Il nous a tous demandé de l'aider. Il faut toujours qu'il exagère, tu vas pas en faire une maladie. Il a demandé de l'argent à tout le monde, y compris à Ram. Il m'a manqué folle d'inquiétude. Écoute, Laurent, je suis venue ici pour te dire une chose beaucoup plus importante. J'ai parlé... Allez, pousse-toi. J'ai parlé de toi, une jeune veuve. Pourquoi faire ? Elle est jolie, intelligente, c'est la seule femme médecin que je connaisse. Je voudrais te la présenter. Mais si, Laurent, tu peux pas rester indéfiniment seule. Tu plaisantes. Catherine. Bonjour. Bonjour. Catherine Audouard, une collègue et amie. Hélène Pasquier, ma belle-sœur. Profession marieuse. Enchantée. Malheureusement, je ne peux pas rester ce soir. Je passe ma soirée avec Cécile. À demain. Laurent, ne me dis pas Et si tu te contentais, très chère belle-sœur, de t'occuper de Joseph et de ses petits revers de fortune ? Tu veux que je te dise, Hélène ? Tu me fatigues. Si vous cherchez Hélène, elle est là. Madame travaille à son piano ? Non, elle pianote dans la salle à manger pour son mari. Bono et ses compagnons, qui se disent anarchistes, continuent de terroriser la population. Non, entrez, 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 nous avons fini. Je dictais ma chronique à Cécile. Chérie, vos doigts sont magiques. Je me demande comment j'ai fait jusque-là pour me passer de vous. Voilà un article qui va faire du bruit dans les chaumières. Je vous laisse... Les amoureux. Hein. Et apparemment, je vais pas beaucoup vous manquer. Hein. Ah, j'ai hâte de faire lire cet article à la rédaction. J'ai une nouvelle stupéfiante à t'apprendre. Joseph s'est moqué de nous. Je crois savoir pourquoi tu dis ça. Et ça t'amuse ? En tout cas, ça ne me surprend pas vraiment. Et Joseph, c'est Joseph. Joseph, le roi de la magouille, oui. Qu'est-ce qu'il a dû s'amuser en nous soutirant 3 sous aux uns et aux autres ? Et tu trouves sa comédie normale ? Mais tu connais mal Joseph.
Et comme tout le monde, il souffre. Mais toi, si je te disais que tes expériences ne serviront jamais à rien, tu serais fou de désespoir. Parce que tu crois en la science. Suzanne ? Suzanne ? Pouvez-vous mettre le couvert dans la cuisine ? Oui, madame. Joseph, quand il perd 100 francs, lui qui est millionnaire, il a l'impression que tout s'écroule. Et il est fou d'angoisse. Un seul jour sans profit et il tremble. Comment tu sais tout ça, toi ? Nous parlons souvent, tous les deux. Nous sommes aussi excessifs l'un que l'autre. Il n'aime que l'argent, je n'aime que la musique. Et ton mari, pour taper ses articles à la machine, est abîmé les doigts. L'autre soir, après le concert, tu n'es pas venu me présenter la jeune femme qui t'accompagnait. Elle te fait honte ? C'est la première fois que nous chamaillons, Cécile. Pardonne-moi. Bien dîner. Je me sens seule. Montre-moi. On voit presque rien. Mérès, jetez un coup d'œil sur ces photos. Elles sont épouvantables. Ce sont des photos de guerre. Oui. Quelle guerre ? La guerre des Balkans, par exemple. Bien vu, Mérès. Sauf que ce ne sont pas des vraies photos de guerre, mais de photos prises par des chirurgiens du monde entier. Des photos d'accidents divers. Alors ça n'a rien à voir avec le conflit des Bulgares et des Turcs ? Absolument rien. Mais à les regarder, on pourrait penser que ces braves gens ont été déchiquetés par des balles. Non ? Je vois pas où vous voulez en venir. Si on fait passer dans la presse que les Bulgares utilisent de sales balles explosives fabriquées par une très vilaine société anglaise, la Craig Society. Vous voyez toujours pas où je veux en venir. Mais si. À tout le monde est scandalisé. La France est horrifiée. Y a de quoi. C'est plus une guerre, là. C'est un carnage organisé. Et je sais pas. Je vois toujours pas le rapport avec nous. Mais simplissime. Pour que je puisse récupérer le marché, il faut couler la société, Craig. Et comment couler cette société ? En servant de la presse, qui publiera les photos. Tout le monde va être scandalisé et les Bulgares vont être obligés de se fournir ailleurs. Et cet ailleurs passera par nous. Nous leur livrerons de gentilles petites balles, tout à fait légales et proprettes, et voilà. L'affaire est dans le sac. Vous vous rendez compte de la hauteur des commissions qui en découleront et qui tomberont dans nos caisses ? C'est quoi cet air pensif ? Je me demande si c'est bien honnête. Mon ami, ça fait pas un mort de plus. Ni un de moins, d'ailleurs, mais enfin, c'est pas de notre faute si ces gens s'entretuent. Bon, maintenant, allez me chercher votre journal, que je le mette au courant. Il est sérieux, au moins ? C'est une plume, vous savez. Ah, ben. Nous allons la tenir à deux, cette fois, la plume. Je vous présente Monsieur Pasquier. Ah. On m'a beaucoup parlé de vous. Ah, si, si, si. La plume la plus douée de Paris. D'ailleurs, si je vous confie cette documentation, c'est que je lis vos articles avec attention. Brillant. Intelligent. Je ne suis qu'un défenseur de la justice et de l'humanité. La vérité avant tout. C'est ça. Exactement. C'est le côté humanitaire qu'il faut faire ressortir. Le titre, je l'ai déjà. La vérité sur les balles explosives. Après, ne craignez pas de donner des détails, développer, amplifier. Et mettez-moi un peu de littérature, que ça se laisse lire sans déplaisir. Et demain, à la première heure, je lirai le brouillon de votre papier, si vous en êtes. D'accord ? Bien, monsieur Pasquier. Bien. C'est interminable. Nous lui offrons pour rien l'affaire de sa vie. D'ailleurs, il n'osera rien demander, ça se voit à la longueur de ses manches. Ah, j'adore cette affaire. Notez, Mérès, qu'il existe véritablement une esthétique des affaires. Et celle-ci est assez parfaite. Notez le dégagement d'acide cyanhydrique. La vérité sur les balles explosives. Dans quel monde horrible vivons-nous ? Horrible. Pourquoi de si gros plans ? C'est étrange, non ? On peut se demander si ces photos sont au service d'une cause. Et laquelle ? Pour que nous protestions, de quoi ? Contre qui ?
Ça fait vendre du papier, en tout cas. Mais c'est pas une façon de faire la guerre. Parce qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières de faire la guerre. Non, mais il y a des limites. Et il y a aussi des lois. Et nous, dans nos labos, on est là comme des cons à chercher à sauver des vies humaines, pendant que d'autres, dans d'autres labos, cherchent à en supprimer le plus possible. Pasquier, tout à l'heure, soyez gentil, passez chez Catherine Oudouard. Je n'aime pas, mais alors pas du tout son mal de tête persistant. Elle se plaint également des reins. Bonjour, entrez. Je suis bien chez Catherine Oudouard. Vous êtes bien Laurent Pasquier. J'ai cru comprendre qu'elle s'attendait à votre visite. C'est par là, je m'en allais. Faites pas cette tête-là, je suis pas encore morte. Ce mal de tête ne passe pas. Et votre mal de rein? Ça passera, c'est rien. Merci. Ah non, ne m'approchez pas, vous voulez tomber malade. C'est mon voisin qui vous a ouvert. Vous avez cru que c'était mon amoureux? Oh non. Oh non, je n'ai rien cru. Vous mentez mal, Laurent. Je vais vous faire un thé. Nous allons bien finir par prendre le thé. Nous ne pouvons pas sans cesse nous voir dans les restaurants. L'eau chauffe. Quand je serai rétablie, vous savez ce que vous allez faire. Vous m'emmènerez dans une guinguette. Je me suis toujours promis d'y aller. Vous me ferez danser. Vous savez danser? Mais qu'avez-vous fait de votre jeunesse, Laurent? Aidez-moi à débarrasser. Je n'ai guère eu le temps d'y songer. J'appartiens à une famille magnifique, mais parfois un peu encombrante. Nous sommes, dirons-nous, un peu excessifs. Il m'a souvent fallu endosser le rôle du raisonnable. Et maintenant, c'est quoi votre vie? Venir prendre le thé chez une vieille dame? Si on s'était connus il y a 20 ans, je vous aurais sérieusement dévergondé, mon garçon. Je vous apprendrai à danser. Vous êtes trop mignon. Je vais chercher le thé. Alors, c'est oui? C'est une chance formidable d'avoir enfin le virus sous notre nez avec Madame Oudouard, non? Je vois, je vous choque. Parce que je vous rappelle que nous avons des concurrents. Le laboratoire de Renner travaille aussi sur le même sujet. On ne va tout de même pas se laisser griller par la concurrence, non? Il y a beaucoup d'argent en jeu. Cette maladie est ma propriété, ce microbe est le mien, et nous avons le cas sous la main. On va l'hospitaliser. Et immédiatement. Un cobaye nommé Catherine. 8 jours d'incubation. Poussée fébrile pouvant atteindre 40 degrés. Céphalée. Dérèglement gastrique. Bientôt, ce sera la place de Lictère. Tout est en bonne voie, Pasquier. Tout est en bonne voie. Chalgrin recevrait sûrement la Légion d'honneur en reconnaissance de son travail. Mais Catherine, elle ne voulait pas la gloire. Elle voulait vivre, et c'était ce que je souhaitais le plus au monde. Catherine. Catherine. Je vous aime. C'est la première fois que je le dis à une femme. J'ai passé des heures merveilleuses avec vous. Merveilleuses, Catherine. Vous pouvez pas. Non, vous pouvez pas me quitter, Catherine.
Depuis la veille, Catherine délirait et ne me reconnaissait plus. Je ne trouvais plus le sommeil. Mes pas me conduisaient sans cesse vers l'hôpital. Le corps est à la morgue. Le professeur Chalgrin l'a fait descendre tout de suite. Docteur Laurent Pasquier, le corps de Catherine Audouin. C'est là. Il est arrivé tout à l'heure. Une belle femme, quand même. Je vous la prépare pour l'autopsie? Je croyais que c'était seulement pour demain matin, mais si vous voulez... C'est un malheur. Un malheur, mais intéressante autopsie en perspective. 8h demain matin, je compte sur vous, bien sûr. Il faudra faire de suite des prélèvements sur le foie. Mais patron, ça m'est impossible. Nous ferons cette autopsie ensemble, Pasquier. On m'a dit que Catherine Audouin n'avait plus aucune famille. Personne ne réclamera le corps. Je dois vous avouer... Qu'est-ce que vous devez m'avouer? Pas de sentimentalité, mon cher. Il s'agit de vérité scientifique. Tout le reste ne pèse rien. Vous n'êtes pas un biologiste de boudoir. Si c'est le cas, apprenez la mandoline, mon vieux. Mon cher Laurent, ça fait partie de vos responsabilités. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre de quitter mon service. C'est ce que je vais faire. Cotreau, demain matin, 8h. Pour Chalgrin, l'essentiel était de gagner la course contre son rival, le professeur Ronner. Chalgrin gagna, et quelques mois plus tard, il recevait la Légion d'honneur. Vous apprendrez, Laurent. Allez, remettez. Justin. Justin n'avait plus d'amoureuse, et sa tentative ouvrière se révélait être un échec. Moi, j'avais perdu Catherine. Je ne supportais plus le milieu scientifique. C'est alors que Justin me parla de son idée. Nous allions nous retirer du monde et fonder une communauté. Tout un groupe était prêt à participer à cette aventure. Il y avait Brenuga, qui était peintre, marié à Alice, infirmière. Sénac, qui végétait dans l'ombre d'hommes politiques pour lesquels il rédigeait des discours, et Jusserand, le poète qui poétisait sans être édité, avec sa compagne Léonie. Alors, pour commencer, il va falloir trouver de l'argent. Nous ne sommes pas des illuminés. Nous avons une responsabilité que je revendique haut et fort. Il s'agit de lancer les fondements d'une nouvelle manière de vivre. Nous n'appartenons ni les uns ni les autres à la classe ouvrière. J'en ai déjà fait l'expérience et je ne pense pas qu'une politique, même socialiste, soit à même de régler les vrais problèmes. Nous allons créer une société parallèle et vivre en autarcie. Ce qui va nous donner les possibilités d'agir et de créer en toute liberté. Madame Primry, je trouve que c'est une bonne idée. Chacun peut travailler quelques heures par jour. Nous mettons tout en commun. Durant le temps de libre, chacun peut vaquer à ses travaux respectifs sans se soucier des problèmes d'argent. Oui, mais il nous faut d'abord une mise de fonds. Qui va s'en occuper? Qui va trouver cet argent? L'argent, ça se trouve toujours. Et comment va-t-on s'appeler? La tribu.
C'est un joli nom. L'avenir, le nouveau monde. L'imprimé des compagnons. La cellule. Je vois quelque chose comme Chartreuse. Non, non, non. L'arbre. Nous sommes avant tout une communauté de travailleurs. Alors, dans ce cas, il faudrait garder le mot imprimé. Garde le mot imprimé. L'imprimerie de caractère. L'imprimerie de caractère. L'imprimerie du désert. Oui, l'imprimerie du désert. L'imprimerie du désert. Moi, il me faudrait ma chambre au sud. Oh, mais attends, je vais la lumière pour les peintures. On verra. Et la bibliothèque, madame Kraou? Mais au rez-de-chaussée, il y a l'air d'avoir suffisamment de place. Ah non, moi, j'y mettrais plutôt la cuisine. Les femmes, faut toujours que ça pense à la cuisine. Mais je te rappelle que l'étage doit être partagé par tout le monde, compris par les hommes. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas la cuisine dans la cuisine dans la grange? Quand il pleut, ça va pas être commode. Je me rappelle que je suis végétarien. Je vais ramener sur mesure pour les légumes. L'imprimerie du désert. L'ouvrier imprimeur, c'est un type bien, il connaît parfaitement le métier. Il est très formé. Ouais. Ça manque de l'imprimerie. Oh, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez, ouvrez. C'est magnifique. C'était le bonheur. Et comme se plaisait à dire Justin, on efface tout et on recommence. J'ai envie de dormir dehors. Justin avait une telle force de conviction qu'il avait fini par réunir la somme suffisante pour mettre sur pied notre imprimerie. Il avait même fait appel à Joseph, qui avait prêté l'argent avec un intérêt exorbitant. Et qui fait la vaisselle? Quelques jours après, la rotative arrivait. On écoute tous Piquenard, c'est un professionnel et il n'est là que pour la semaine. À toi, camarade. C'est simple, il suffit d'être attentif, même si vous n'êtes pas habitué à vous servir de vos mains, ce qui est là d'être le cas. Pour imprimer un livre, il faut deux temps. Un, la composition. Deux, l'impression. L'impression se fait à partir de cette presse, mais je vous en parlerai tout du moins du fonctionnement un peu plus tard. Quant à la composition, suivez-moi s'il vous plaît. Elle se fait à partir de caractères qu'il faut assembler dans un composteur. Les lettres étant systématiquement mises à l'envers, toujours. Et une année de mariage de plus. Bravo Claire. Vive Ferdinand! Merci, allez, c'est tellement gentil d'y avoir pensé. C'est le premier travail qui sort de notre presse. Allez, embrassez-vous encore, les amoureux. Allez, allez, allez. Voilà. Bon, il ne manque plus qu'un héritier. Alors, comment tu t'y prends, Ferdinand? Tu veux des petits conseils? Bah, Ram. Je m'y prends comme tout le monde. C'est bien, mon garçon. Tous mes voeux vous accompagnent. Que pensez-vous de cette histoire des balles explosives? Oh, j'attends d'en savoir plus. Alors, Laurent, comment ça se passe à Bièvre? La grande utopie. Très bien, tu vois, on travaille. Ah, et l'argent coule à flot? Ce n'est pas l'objectif. Ah, pardon, j'ai oublié. Si tu es inquiet pour ton prêt, rassure-toi. Dès que nous le pourrons, nous te rembourserons. D'ailleurs, il n'y aurait eu que moi. Oui, tu ne m'aurais rien demandé, je sais. Tu aurais fait une erreur, Laurent. Joseph est ravi de t'aider. Cet argent n'a pas été prêté à moi, mais à l'imprimerie du désert. Écoute, Laurent, je vais donner un concert et toutes les recettes iront à ta communauté. C'est bien, non? Je te remercie, petite sœur, mais on ne fait pas l'aumône. Ce n'est pas une œuvre charitable, vous ne me comprenez pas. C'est une manière de vivre, de repenser le monde. Oh, mais j'ai lu quelques ouvrages sur le sujet, sur les phalanstères. Voilà le mot exact, phalanstère. Je regarderai dans le dictionnaire. Quand on était petit, papa nous montrait toujours des tas de choses dans le dictionnaire. Eh bien, dans les années 1820, Charles Fourier a écrit un livre, Le phalanstère, où il expliquait que pour contrecarrer la société bourgeoise, il fallait constituer des petits groupes de travailleurs, mettre le travail en commun, les compétences, mais alors aussi également... Mais combien y a-t-il de femmes, d'ailleurs, dans votre communauté? Deux. Oh, ça n'est pas beaucoup. L'une d'entre elles est mariée avec l'un de nos camarades. Deux femmes pour six hommes? Ça fait trois hommes pour une femme. Les phalanstères sont aussi des communautés sexuelles, Ferdinand. Mais alors, il va y avoir des enfants? Ça peut être très bien. Ça
peut aussi être très mal. Il n'y a pas de communauté sexuelle. Ah, dans ce cas, on appelle ça une colonie de vacances. Je suis comme papa, je comprends pas l'intérêt, Laurent. Ces expériences ont toujours été des échecs. L'intérêt, Joseph ? Tu connais bien les intérêts de la banque, Joseph. Mais ce mot a d'autres sens. Vous n'allez pas recommencer tous les deux ? Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Et je préfère le sens que je lui donne. Est-ce que tu as des idées ? Des rêves ? Est-ce que tu as des amis, toi, Joseph ? Moi, si, j'en ai un, vois-tu ? Et cet ami a besoin de moi. Il a des rêves et je ferai tout pour qu'il se réalise. Maintenant, voilà. Excusez-moi tous, je dois quelques heures de travail à mes camarades. J'ai confiance en toi, mon fils. Bon dimanche. Vous dérangez pas, je vais à pied la gare. Excusez-moi. Laurent ? Je t'écoute, Ferdinand. Je peux t'aider ? C'est difficile à expliquer. Tu sais, j'ai jamais été très doué pour parler. Enfin, tu me connais, Laurent. Tu veux que je te pose des questions ? Oui. C'est au sujet de papa, de maman, de Cécile. Un problème à la poste. T'es pas malade, au moins. Claire va bien. Elle est enceinte. Ben non, justement. Vous voudriez un enfant ? Justement. Et justement quoi ? Mais c'est pour ça que je suis là. Claire a du chagrin. Elle veut un enfant, j'arrive pas à lui en faire un. J'ai fait des études de médecine, mais je suppose que Claire a un médecin. C'est à lui qu'il faut demander conseil. C'est pas d'un médecin dont on a besoin. Écoute-moi, Laurent ! Voilà, c'est simple. Il faut que tu fasses un enfant à Claire. Moi, j'y arrive pas. Après tout, t'es mon frère. T'es fou, quoi. J'étais sûr que tu dirais oui. T'en as parlé à Claire ? Non. J'ai aussi demandé à Joseph. Oh, il a dit quoi ? Il a dit non. J'ai rien demandé à papa. Ferdinand, Claire et toi, vous vous aimez, ça crève les yeux. Il faut que vous soyez patient. Il faut que vous soyez patient. Ce bébé, il arrivera, j'en suis sûr. Allez, raccompagne-moi à la gare. Je t'adore, mon Ferdinand. Je vous attends. Je n'ai plus envie de sortir. Oh, Cécile, c'est un dîner important. Pour vous, oui. Qu'est-ce qui signifie ? Je n'aime pas leur carton d'invitation. Monsieur et Madame Richard Fauvet. Je comprends pas. Je ne suis pas Madame Richard Fauvet. Je suis Cécile Pasquier. Bah, vous êtes ma femme, que je sache. Je vous savais pas capricieuse, Cécile. C'est un des bienfaits du mariage, d'apprendre la vérité sur l'autre. De plus, ces gens ne m'intéressent pas. Elle, c'est une petite dinde, et lui, un arriviste. Bien, bien, j'ai compris. Vous êtes fatiguée, hein, c'est ça ? Je vous rappelle que j'accouche dans quelques jours. Vous avez raison, sortez pas, reposez-vous. Pensez à notre enfant. Je suis content de te trouver. Je voulais te dire, je reviens. Attends. Je fais les comptes. Cette maison est un gouffre, nous sommes en train d'épuiser nos réserves. Je le sais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Justran encore ce matin s'est levé à 11h. Et je te signale que c'est Nakbo en cachette. Plus on aspire à la liberté, plus il faut respecter des règles. Il faut d'abord que tout le monde respecte les règles établies d'un commun accord. Tu devrais aller dormir là. T'as pas arrêté de la journée. On va réussir, Justin. Avec eux ou avec d'autres. Je suis là, moi, tu le sais. Je sais. Tu voulais me dire quoi ? Cécile a accouché. Je suis inquiet pour son enfant. Très inquiet.
Serouvier a fait dans son journal un appel à pétition contre les balles explosives. Je suis sûr que votre frère Laurent va la signer. Ah, c'est tous des cons, ces humanistes. Ne parlez pas ainsi de mon frère, s'il vous plaît, surtout quand il n'est pas là pour vous répondre. Cécile, pouvez-vous vous intéresser un peu à moi, à ma carrière? Serouvier est un maître à penser pour toute une génération. Il ne fait pas partie de mon sénat. Et alors? Et alors, c'est un opposant à ma revue. Vous voyez qu'il y a de quoi m'agacer, non? Sûrement, oui. Bon, je file, je vais être en retard au théâtre. Et comme une fois de plus, vous ne venez pas avec moi. Vous n'embrassez pas votre fils? Bonne soirée, belle maman. Bonsoir, Richard. J'aurais pu rester, le garder. C'est gentil, maman. J'ai voulu cet enfant, j'assume. Pardon de te dire cela, mais tu ne parles pas très gentiment à Richard. Tu sais, parfois, il faut faire des efforts avec un mari. Maman, tu en as fait pour de toute ta vie. J'accepterai jamais de vivre comme toi. Tu peux pas dire ça. Je suis très heureuse avec ton père. Laurent a fait des examens, Alexandre. Il a dit qu'il avait peut-être un problème cardiaque. Pour l'instant, ça va, mais... Mais je veux pas être inquiète. Les médecins exagèrent toujours, tu sais. Ce que je voudrais, c'est savoir ce que je veux. Exister par moi-même. Et surtout, bien m'occuper de toi. Je vais le coucher. Tu m'attends? C'est interdit par la Convention internationale de Genève, les balles explosives. Il y a des marchands d'armes qui ont vendu ces saloperies à l'armée bulgare. Laurent, tu peux venir chercher la caisse, s'il te plaît? T'emballe pas. T'emballe pas, Brenuga. Brenuga a raison. Pour une fois qu'un journal dit la vérité, il faut que tout notre groupe signe cette pétition. Ça te choque pas, toi, Laurent? Si une balle ordinaire rencontre un os, ça produit exactement ça. Ces photos ne sont pas une preuve. Les gens de laboratoire, vous êtes tous la même. Il suffit qu'on lance une pétition pour que vous étaliez votre savoir-faire. Ah, justement, pas cette fois. Je leur ai conseillé de se renseigner sérieusement avant. Laurent, tu es ridicule. De toute façon, il n'y a pas de guerre propre et de guerre sale. Quoi? Ose nous dire franchement que tu te moques des balles explosives. Si cette histoire est vraie, je serai de ton côté. Et celui de ton Serouvier? Mais tu juges trop vite. Vous n'êtes que des idéalistes. C'est pour cela qu'on se retrouve tous ici, non? Là, tu as raison. Au travail! J'ai décroché une commande! Nous sommes sauvés! On a un livre de poèmes à éditer! Alors, oh, je pourrais arrêter mon travail et rester avec vous? Bien sûr! Merci Laurent, j'avais besoin de ton avis. Merci d'être venu. Ah, pour une fois, nous sommes d'accord. C'est stupide, l'histoire de ces balles explosives. Stupide. Vous m'entendez, Mérès? Laurent et moi sommes d'accord, pour une fois. Mérès, vous écoutez? Vous avez un nid de puce dans les oreilles, Mérès? Non seulement les dossiers dont je vous charge n'avancent pas, mais en plus, vous n'êtes pas présentable. Alors je me demande si vous n'êtes pas tout à fait incompétent pour le poste que je vous confie. Décidément, je ne pouvais supporter mon frère dans son travail. Il se livrait toujours devant moi à des exercices d'autorité déplaisantes. On ne peut plus vous faire une réflexion. Je ne reconnaissais pas le Joseph de la Paquellerie. L'exercice et la fonction du pouvoir changent-ils à ce point les hommes? Eh ben, revenez avec nous, Mérès. Si tu n'as plus besoin de moi, je te laisse. Au revoir. Au revoir, monsieur Mérès. Mérès, ne boudez pas. Venez ici. Venez ici. Bon. Quand je pense que ce comte Serouvier risque de faire basculer l'opinion. Votre beau-frère, monsieur Richard Fauvet, peut être d'un grand secours. Et comment cela, Mérès? Papa avait eu une altercation avec un fleuriste qui traitait mal son employé. Le colosse lui infligea une sévère correction. Joseph était alors venu me chercher. Tu précises bien aux droguistes qu'il s'agit d'une côte cassée. Il faut absolument soulager cette douleur. Je me dépêche. Il souffre pas trop quand même. Merci d'avoir éloigné ta mère. Éloigné? Écoute-moi. Paula et moi,
Nous devions fêter aujourd'hui même notre anniversaire de rencontre. C'était donc pour elle, les fleurs ? Pour un anniversaire, on offre des fleurs, Laurent. Alors, nous devions donc fêter notre anniversaire. Tu sais comment sont les femmes. Hein ? Calme-toi, papa, tu dois avoir de la fièvre. Mais laisse-moi finir. Je veux que tu ailles prévenir Paula et que tu la ramènes ici. Papa, tu es fou. Oh, et puis arrête de m'appeler papa, enfin papa. C'est ridicule, à ton âge. Je te demande un service, d'homme à homme. Tu es médecin, oui ou non ? Je ne vois pas ce que mon métier de médecin a à voir avec Paula. Tu te dois aux malades ! C'est non. Pardon ? C'est non. Bon, très bien. Alors retourne dans ta maison de dingue. Ah, et merci pour l'ordonnance. Il m'a trop énervé aujourd'hui. Je peux plus le supporter. Il n'a jamais offert de fleurs à maman pour leur anniversaire de mariage. Du coup, non, mais je rêve. Non, mais regarde ce que je vois. Papa, qu'est-ce que tu fais ? Il faut rester à manger, t'as deux côtes cassées. Puisque Paula ne peut pas venir à moi, j'irai à Paula. Enfin, tu peux pas faire ça à maman, sois raisonnable. Non, tout a des limites, papa. Hein. On ne touche pas à ma liberté. Laisse-le, c'est son problème. Qu'est-ce qu'on dit à maman ? Maman ne pose jamais de questions quand il s'agit de papa, tu le sais bien. Mais comment elle fait pour le supporter depuis toutes ces années ? Elle aime. Elle aime comme ni toi ni moi n'aimerons jamais. Voici donc notre premier travail. Voilà. C'est bien, c'est pas mal, ça bave pas. Poème du marquis de Fonfrède. Dans le château du marquis, sur une litière endormie, une jante dame sourit parce qu'elle a bien joué. D'accord, nous avons besoin d'argent, mais moi, je refuse désormais d'éditer de telles âneries. Non, sérieusement, ça vous choque pas de cautionner la médiocrité des riches qui peuvent se permettre d'être édités, tandis que de pauvres et vrais poètes... Et vous gagnerez de l'argent comment ? S'il faut se préoccuper du contenu de ce qu'on imprime, on n'est pas prêt de manger du caviar. Brénegat a raison, tu n'aurais jamais dû accepter cette commande. Ce n'est pas pur comme démarche Justin. Ce sont des concessions, c'est tout. Tu as raison, Justin. On reconnaît bien là le politique, hein. Des concessions. Moi, je passais déjà ma vie à en faire avant de venir ici. Et je travaillais pas comme un dingue et on me demandait pas en plus de faire la vaisselle. Nous ne devions travailler que 3 ou 4 heures par jour, c'est-à-dire moins qu'avant. Moi, personnellement, j'ai jamais autant marné. Et tous les soirs, j'ai des courbatures. Parfois, je me dis que j'en ai vraiment assez. Nous avons une période un peu difficile à traverser. Mais avec de la bonne volonté de la part de chacun d'entre nous, on doit y arriver. Il faut décrocher une commande sérieuse. Ce n'est pas le système qu'il faut remettre en question, mais nous, en tant qu'individus. Et un individu dans un groupe doit être encore plus responsable. Si ça doit être encore plus compliqué que la vie que nous avions auparavant... Monsieur Serin a raison. Nous rêvions d'une vie noble et en réalité, nous en quoi ? Nous alignons des petits bouts de plomb, des centaines de petits bouts de plomb. Des petits bouts de plomb, ce sont des symboles. De quoi ? Je te le demande, un symbole de la pensée, je suis pas sûr que ce soit cela, la pensée en liberté. Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, je donnerais tout pour être en terrasse avec une bonne bière. Finissons le travail et dorénavant, nous choisirons mieux nos commandes. S'il y en a... Le marquis refusa la commande. Allez. Parce qu'il y avait trop de fautes. Le papier avait coûté cher, et seule Alice rapportait de l'argent à la communauté avec son travail d'infirmière. Bien que vous n'ayez pas de référence en la matière, je vais vous passer une commande de 3000 brochures pour le ministère. Comprenez bien que je prends des risques. Je vous remercie sincèrement. Nous ferons de notre mieux, je vous promets un travail parfait. Permettez-moi toutefois, mon cher Pasquier, de vous rappeler que... Si je vous rends service aujourd'hui, il y a quelques années, vous avez refusé de me suivre dans ma carrière au ministère. D'autant que vos arguments de l'époque étaient du genre la recherche scientifique, avoir les honneurs, etc., etc. Vous me décevez, mon petit Pasquier. Je ne sais pas après quoi vous courez, mais je pense que vous courez dans la mauvaise direction. Nous tentons une expérience qui nous permettra plus tard de poursuivre nos activités respectives. Vous faites avancer la science en plantant des choux. En somme, vous voulez vivre en marge de cette société, mais vous voulez tout de même bien que cette même société vous subventionne. Votre commande vous sera livrée dans les délais convenus. Merci. J'y compte bien, Pasquier. Pour des gens comme nous, c'est un peu fastidieux, vous ne trouvez pas ? En tout cas, j'aime beaucoup votre vue. Et j'aime beaucoup la position que vous avez prise à propos des balles explosives. Moi, j'ai les renseignements les plus sûrs et je peux vous assurer que jamais l'armée bulgare n'a fait usage de ces balles.
D'où tenez-vous cette information? Oh, je la tiens, faites-moi confiance. De plus, Laurent m'a montré un numéro de la Gazette chirurgicale et... Des photos horribles, c'est pas ce qui manque dans ce genre de journal. Alors, dites-le. Ouais, je l'ai fait. Hein. Écrivez-le dans votre revue. Non, je l'ai fait. Hein. Allez plus loin. Dites clairement la vérité. Écrivez qu'il s'agit simplement de faire perdre à la France ses alliances et que les intellectuels français, les Chérouvier et compagnie, sont au service de l'étranger. Mais comment? Comment je le sais? Oh, j'ai ces informations comme nous en avons souvent, nous autres, les gens de finance. Et pas un mot à propos de la firme anglaise, bien sûr. Ah, c'est très intéressant. Surtout de retrouver ce Chérouvier impliqué dans cette histoire. Ces intellectuels qui se mêlent de tout et qui compromettent la France aux yeux du monde entier. Croyez-moi, votre revue va gagner quelques lecteurs. Le journal de Chérouvier n'a qu'à bien se tenir. Coulez. Moi, je vous dis, coulez. Mais il faut faire vite. Très vite. J'en parlerai dans mon prochain numéro. En famille, il est naturel de s'entraider, non? En tout cas, merci pour l'information. À bientôt. À bientôt. Mérès, j'espère que vous avez tout écouté derrière la porte. Jolie manipulation, non? Mérès, vous devriez vous faire raser la moustache. Ça vous donnera l'air plus franc. Qu'est-ce qui te fait rire? L'état du jardin, nous. Les choux ne pousseront jamais. Les salades seront dévorées par des limaces. Les melons, peut-être. Mais bon, ils seront immangeables. Tu veux que je te dise? Nous sommes comme Bouvard et Pécuchet dans leur jardin de Chavignol. Nous avons des commandes. Et la situation financière est cependant déplorable. Même en allant à l'économie, cette maison est un gouffre. Alice est partie, c'était la seule qui ramenait de l'argent avec son travail. Ils vont tous partir. Même toi, Laurent. J'ai fui ma famille parce que j'ai horreur des mesquineries. Qu'est-ce que je retrouve ici? La même chose. Peut-être que les hommes ne savent pas vivre ensemble. Tu veux dire que je me suis trompé? Nous sommes tous très fatigués. Je sais plus comment les prendre les uns et les autres. J'aurais voulu les aimer comme des frères. Mais c'est difficile d'aimer tout le monde humain. Tu sais, remarque, qui nous y oblige après tout? La perle qui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu veux? Je me suis trompée, Justin. Tu peux pas m'en vouloir. Je me suis trompée. T'aimes plus l'argent? Justin, écoute-moi. Tu m'as appris. Nous avions des projets ensemble. Je reviens. Je me suis trompée. Essaie de comprendre, de m'entendre au moins. Je veux rien comprendre, je veux plus entendre personne. Allez, fiche-moi le camp! Va retrouver le fils du patron! Marthe. Vous n'auriez pas dû faire souffrir mon ami. Mérès m'avait donné rendez-vous sous le sceau du secret. Il se vengeait ainsi de l'humiliation quotidienne que lui infligeait Joseph. Toute la soi-disant affaire des balles explosives avait été montée par mon frère. Les photos publiées n'avaient aucun rapport avec la guerre des Balkans. Et si l'armistice est rompu, M. Joseph Pasquier va retrouver le marché qu'il avait perdu. Il est très très fort, votre frère. Ça ne vous gêne pas de tremper dans de pareilles histoires? Je suis payé pour, et M. Joseph Pasquier n'est pas mon frère. Mérès, pourquoi me racontez-vous tout cela? Mon honneur, monsieur. Monsieur! Ne vous dérangez pas. Tu es un salaud, Joseph Pasquier. Tu es un salaud! Un salopard, une ordure! Tu me parais bien agité. Et je peux savoir quel sujet me vaut tous ces éloges? Je sais tout sur les balles explosives.
Toutes tes manigances, tes combines. Mais pour de l'argent, t'es capable de tout, tu me dégoûtes. Oh, si on peut gagner de l'argent pendant la guerre, je vois pas pourquoi j'en profiterais pas. Moi, je tue personne. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi? Avec toutes les études que ta famille t'a offertes. Vivre avec un ramassis de raté, pas seulement capable de planter deux choux. Et je parle pas de ta situation sentimentale. Incapable de trouver une femme ou alors de la garder. Heureusement que je t'ai pris Hélène, comment l'aurais-tu fait vivre? Je suis vraiment un sale bonhomme. Pour la première fois, nous sommes restés plusieurs mois sans nous adresser la parole. Sans se le dire, nous avions décidé l'un comme l'autre de ne pas faire part de notre fâcherie à maman. Où sont les autres? Il n'y a presque plus d'autres. J'y arrive plus. Qu'est-ce que tu as sur la joue? Brenuga est parti hier. Il ne peut pas vivre sans Alice. Il voulait embarquer des meubles, j'ai pas voulu. Vous vous êtes battu. Tu veux que je te dise? Voilà. C'est fini. Tu comprends bien? C'est fini. Il faut se réunir. C'est pas dur avec toi! Tout le monde s'en fout! Je voulais fuir ma famille de bourgeois! Je voulais une autre famille à moi! Bravo! L'homme est incapable de vivre en société et incapable de vivre seul. On fait quoi, Laurent? C'est quoi la solution? Calme-toi, Justin. Aide-moi! Aide-moi! Puisque c'est fini! On casse tout! Tu restes rien! Pas même une crâne! C'est tout ce que je pars! C'est tout ce que je pars! Tu m'as suivi parce que je te fais pitié! Les amis finissent toujours par se séparer, Laurent! Il y en a qui ont la chance de mourir avant ce genre d'expérience! Nous sommes des animaux désespérés! Des animaux désespérés! Des animaux désespérés! Cécile avait décidé de délaisser un peu son rôle de maman et de maîtresse de maison pour remonter enfin sur scène. Madame est rentrée? Elle est dans sa chambre? Madame est avec Alexandre. Suzanne. Cécile, je veux vous parler. Cette incident est stupide. Nous sommes la risée de tout Paris.
Je me battrai demain en duel avec votre ami Justin Veil. Je ferai tout pour le tuer, croyez-moi. C'est lui, l'auteur du scandale. Acceptez-vous l'idée d'une réconciliation avec Monsieur Fauvet ? Non. Vous allez vous placer alors aux distances indiquées. Le tirage au sort a désigné Monsieur Justin Veil comme premier tireur. Justin. Tout cela est stupide, inutile et dépassé. Dépassé ? Non. Cécile a été humiliée devant moi. Pour toujours, elle restera la femme de ma vie. Nous sommes trompés. Je préfère un grand échec à une petite réussite. Tu n'y as jamais vraiment cru à notre aventure. Hein? Proteste pas. Je vais partir maintenant. T'embrasseras Cécile pour moi. T'oublie pas. Tu l'embrasseras. Justin était seulement blessé au bras. Il avait décidé à nouveau de voyager, de faire voir du paysage à son mal de vivre. Peu de temps après, je retrouvais du travail dans un laboratoire. C'est ouvert. Claire ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je voudrais que tu me fasses un enfant. Pardon ? Tu m'as bien entendu, j'ai d'abord demandé à Joseph, mais il a refusé. Ferdinand est trop malheureux, il nous faut un bébé. Il n'en saura rien. Et puis, ce petit sera en basket quand même. Mais ce n'est pas possible, Claire. Aujourd'hui, normalement, je suis dans mes bons jours, ça devrait prendre. J'en supplie, Laurent. On n'en a pas pour longtemps. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je me rends compte du chagrin, mon Ferdinand. S'il te plaît, Laurent, s'il te plaît. Je ne suis pas ton genre, je sais, mais il ne s'agit pas de ça. Quel médecin avez-vous vu? Je peux peut-être vous aider, mais pas comme ça. Mais tu seras le parrain. Laurent, tu seras le parrain. Un jour, sûrement. Oui, je serai le parrain, Claire. Seulement le parrain. Qu'est-ce que vous vous aimez, tous les deux, c'est magnifique. Sais-tu que je vous envie? Alors, c'est non. Allez le coucher, il est tard. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il nous faut trouver un accord. Je vous demande de me dire où vous allez ce soir. Que vous importe de savoir où je vais? Vous êtes une femme supérieure, Cécile, vous me le faites comprendre chaque jour. Ma jalousie est indigne de vous. Je vous demande de ne pas prononcer ce mot devant moi. Vous n'avez aucune raison d'être jalouse d'un mari que vous croyez sans talent, sans importance. Vous avez raison. On ne peut pas être jalouse d'un homme qu'on n'aime pas. Pouvez-vous arrêter de jouer quand on parle ? Il n'est pas facile d'être votre mari, Cécile.
Richard, encore une fois, ne partez pas. J'ai très envie ce soir de me prouver à moi-même que je suis resté un homme libre. Si vous sortez d'ici, je vous laisserai jamais revenir. Ah, c'est ça, vous m'avez déjà dit. Suzanne ? Suzanne ? Restez bien à côté d'Alexandre. Je dois m'absenter un moment. Bien, madame. Je compte sur vous, Suzanne. Madame, Alexandre a beaucoup de fièvre et il n'arrête pas de pleurer. Il faut que je te dise quelque chose, Cécile. Quoi ? Il va pas mourir ? Alexandre a une malformation cardiaque. Tu le sais. Je le pressentais à sa naissance. Je me souviens, tu n'as pas voulu entendre parler. C'est un handicap très lourd. Cette fois-ci, il va s'en sortir, mais il n'aura jamais une vie normale. Il ne pourra pas jouer, il ne pourra pas courir, il ne pourra pas... Il vivra. Il ne pourra peut-être pas atteindre l'âge adulte, Cécile. Enfin, nous ne savons pas. C'est comme si chaque instant de sa vie sera comme... Mais suspendu. Pourquoi il a l'air d'aller très bien ? Ah, mon bébé. Ah. Il faut que tu vives, hein. Je te promets, je jouerai plus jamais du piano. Je me coupe les mains s'il faut. Mais il faut que tu vives longtemps. Regarde, il va bien. Il va bien. Enfin, je ne t'en dis pas plus. Tu vas voir. Joseph et moi étions réconciliés. Le clan Pasquier s'était resserré autour de Cécile. Regarde, encore une nouveauté. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore ? Oh. On rentre. Monsieur ? Nous voulons voir le docteur Pasquier. Ah non, c'est impossible, il est en consultation. Et puis vous n'aviez pas rendez-vous ? Nous sommes ses fils. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite mise en scène que j'ai organisée à votre intention. Pour évaluer votre émotivité. Asseyez-vous, messieurs. Asseyez-vous. Bien, prenez un chapeau. Vous allez me refaire l'arrivée chez le ministre. Alors, vous balancez légèrement le chapeau de la main gauche, vous mettez une demi-seconde, la main droite dans la poche du pantalon, vous la retirez, et... Bonjour, monsieur le ministre. Eh ben voilà. C'est parfait, hein ? Vous n'êtes pas incurable. En 3 séances, vous entrerez chez un ministre comme dans un bureau de tabac. Ma casquette. Mon chapeau. Vous voyez avec ma secrétaire, pour le règlement... Et puis vous prenez un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce serait idéal. À bientôt, cher monsieur, et bravo. 2, 3 leçons, et ils deviennent des lions. Vous ne dites rien, mes garçons. Je trouve que pour un médecin, c'est du pur charlatanisme. Oh, tout de suite, les grands mots. J'y mets plus de moi-même qu'en faisant une piqûre et 3 lignes d'ordonnance. Reviens dans 8 jours, et tu me diras des nouvelles du petit bonhomme que nous avions là. Timidité, parti, envolé. Tu risques d'avoir des procès, papa.
Tu fais de la publicité dans les journaux, d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert. Je te rappelle que je m'appelle aussi Pasquier, que dans les affaires, il faut avoir un nom sans tache. Jusqu'à quel âge vous allez m'empêcher de vivre? Comment tu oses dire ça avec toutes tes histoires? Mais quelles histoires? De quoi il parle, ton frère? De tout ce que tu as fait endurer à maman. Paula, Solange et les autres. Tes lubies. Mes lubies? Mes lubies? Timidologue, une lubie? Et Freud, c'est quoi? C'est qui? Un prestidigitateur? Tu sais quel âge tu as, papa? Oui. Je suis plus jeune que vous. Voilà ce que je sais. Si je comprends bien, vous êtes venu à nouveau faire mon procès. Ton procès? Non. Mais on aimerait bien que tu nous foutes la paix. Et que je reste dans un coin? Avec tous les petits vieux de mon quartier. C'est ça. Vous me brisez les ailes. Mais... tu peux pas continuer à être simplement un médecin normal? 8 années d'études pour faire ouvrir la bouche des gens, leur prescrire des suppositoires. J'en ai assez à présent. Papa, tu fermes ce cabinet? Non. Combien veux-tu? Combien tout ça t'a coûté? Tu me communiques ton prix et demain matin, je te fais porter l'argent et tu fermes ta boutique. C'est promis, hein? Il n'y a pas question. Et maman, évidemment, n'est au courant de rien. Comme d'habitude. Vous me mettez dans l'obligation de céder, très bien. Et je tiens à vous déclarer que vous condamnez ainsi la médecine des âmes. Merci, messieurs. Vous êtes virés. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent, mon chéri, hein? C'est rien. Tout va bien, mon petit. Tout va bien. T'inquiète pas. Avant, cela m'aurait fait rire. Je pense toujours à maman. Je l'aime comme ni toi ni moi ne l'aimeront jamais. Tiens, regarde. Regarde. Voilà. Voilà où est ma vraie passion aujourd'hui. L'art, mon vieux. L'art. Il n'y a que l'art. C'est un bon placement. Sur le plan spirituel, oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, Laurent. C'est toi qui me dis ça? Mais alors, assure-moi, tu n'es plus ruiné? Oh non. Je suis plus que riche à nouveau, mon cher frère. J'ai des immeubles entiers dans Paris, une fabrique de machines à souder, et puis je fais construire un hôtel à Biarritz. Oui, le tourisme, c'est l'avenir. Tu verras, un jour, ils iront tous à la plage, même les ouvriers. Alors évidemment, tu vas rigoler, puisque toi... toi, tu passes ton temps dans ton petit laboratoire avec ton petit microscope à regarder de petites choses. Moi, Laurent, je vois grand, moi. Jour et nuit, Cécile s'occupait d'Alexandre. Son mari passait de moins en moins de temps à la maison. Le malheur s'était installé définitivement chez eux. Venez dîner, Cécile, vous êtes épuisée. Ça ne sert à rien, ce que vous faites. Il aime cette musique, ça le calme. Désormais, je ne jouerai plus que pour lui. Pour l'instant, Alexandre ne va pas mal. Comment le savez-vous? Vous ne le regardez jamais. Vous ne voulez pas accepter la vérité, hein? Quelle vérité? Qu'il y a une malformation? Je le sais, je l'accepte. Contrairement à vous qui fuyez cette chambre. Je voudrais vous aider, ceci. Je vous en supplie. Réaliser que cet enfant est condamné. Et il peut aussi avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. Personne ne sait. Ce n'est pas votre force. C'est trop difficile pour moi. Trop difficile de le voir vivant un jour après l'autre. Sortez, Richard. Je ne veux plus vous voir. J'avais quitté mon appartement et m'étais installé chez Cécile. J'espérais lui faire retrouver ses rendez-vous avec la musique. J'ai vu ton mari. Il accepte la séparation. C'est mieux ainsi, non? Oh, Cécile. Oui. Monsieur, madame votre mère est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne veut pas venir, si? Je sais pas, elle ne l'a pas invitée. Maman, veux-tu un gâteau? Et papa est où? Il est pas malade? Il est parti.
Comment ça a parti? Ça fait 15 jours qu'il a disparu. J'ai pas voulu vous inquiéter. Il est peut-être chez Paula? Non, il n'est pas chez Paula. Elle non plus ne sait pas où il est. Mais il est parti avec quel argent? Avec l'argent du cabinet de timidologie, tu vois. Parfois, il exagère, hein. Et tu nous lis seulement aujourd'hui. Qu'il me cause du tracas à moi, c'est pas grave. Je ne veux pas vous faire partager mes soucis de couple. Je suis fatiguée, les enfants. Très fatiguée. Nature à ma mesure, l'espace, et l'aventure, enfin! Oh, admire ce désert bouleversant et magique qui va nous entraîner dans un magnifique voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Voyage où s'entrechoquent la nostalgie, bien sûr, hein, mais aussi les espoirs en la vie. Et ce désert nous mettra en communication avec l'intensité de la création, dans laquelle nous fusionnerons, toi et moi. Ah, l'infini me va bien.